violer. Je suis riche, Pat. Ouais. Greg, c'est formidable. J'ai trois tirelires. Je vais passer la télé, je suis riche. Je vais avoir plein de thunes, de blé, d'oseille, de brousouf, de caillasse. J'ai plus besoin de travailler. Ah bon? T'avais commencé? À moi, les studios télé, les patates et les pépés. Attends-moi, Wood. Moi aussi, j'ai des choses à dire à la télé. J'ai trois tirelires. Je viens encaisser le chèque. Je vous donnerai un pourboire en sortant, mes braves. Ok, les trois tirelires, c'est sur le plateau 8. Flouz, blindé, caillasse. Salut bébé, salut Sharon. Qu'est-ce que vous faites là, Vic? Salut Greg, figure-toi que ces nigauds de Jimmy et Chami se sont inscrits dans une émission télé trop naze pour trouver l'âme sœur, l'annulaire d'or, tu connais? Non, je préfère mettre à l'index et dire pouce à la bêtise. T'as raison, nous si on est là, c'est juste pour se marrer, voir ces deux nuls sur un plateau télé. Tu m'étonnes, on va bien rigoler. Ok les filles, à plus. Comme je le disais tantôt, moi aussi j'ai des choses à dire à la télévision, ils vont m'entendre. Jimmy, t'as pas quelque chose pour évacuer? Je suis encombré, quoi. Ah, ben, pareil. Et tu crois qu'elles vont être canons, les meufs, quoi? Eh ben, j'espère. Il y a une sélection, quand même. Oh. Oh, et qu'est-ce que tu fais, petite? Ben, je vous maquille pour passer à la télé. C'est pas la peine, je suis télégénique, j'ai une peau de bébé. En bref, la culture des fraises est maintenant possible sur les pentes de l'Himalaya grâce à un gène de saumon. Sport, ma femme a fait des courses les yeux bandés et sans caddie tout en montant une start-up. Bravo maman, lui a dit mon fils en mangeant des fraises au saumon. Météo, beau temps sur l'Himalaya où les start-up pullulent. Et ainsi... Public incrédule, réveille-toi. Cesse de perdre ton temps devant ce téléviseur aux informations caduques. Allô, la sécurité? Que sa femme monte des start-up en Himalaya et que son fils mange des fraises. Éteignez vos télés. Stop. Informations. Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de votre journal. Ah, éteignez vos télés. Vous savez où est le dernier journaliste d'investigation? Eh bien là, devant vous. Et vous allez le savoir, dites. Stop à la pollution médiatique. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau de l'Annulaire d'Or. Aujourd'hui, émission spéciale junior. Nos jeunes candidats vont pouvoir simuler ce qui les attend dans quelques années. L'amitié, l'amour et le mariage, peut-être. C'est quoi pour vous le mariage? Je t'aime et... Mariage, c'est une union légale d'un homme et d'une femme célébrée par un officier de l'état civil. Les époux se doivent fidélité et assistance. Je fais la vaisselle, le ménage, je vais pas dans les bars et je fais Sciences Po. L'amour, c'est quoi pour vous? Je t'aime et... Quoi? Mais je... Ils sont complètement coincés, ces deux-là. L'amour est une pulsion physique ou sentimentale qui attire un être humain vers l'autre, qui suscite l'hypophyse et aboutit à la passion. Je fais la vaisselle, le ménage, je vais pas dans les bars, je fais Sciences Po et l'entreprise de mon père est cotée en bourse. Si c'est ça l'amour, trop nul ce jeu. Sharon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire un tour, respirer un peu de sincérité. Et
j'appelle sur le plateau notre prochain candidat qui va avoir la chance de pouvoir tourner la roue, Monsieur Wood Blues. Que l'on applaudit bien fort. J'encaisse le chèque et on s'en va tous les trois au soleil. Fenêtre de Sun, yo les filles, je prends des billets première classe. Tu me files mon chèque rapidement, s'il te plaît. Je dois passer à l'agence de voyage, réserver 3 billets. Je me casse avec les filles. Oups. Jeune homme, vous allez un peu vite en besogne. Les 3 tirelires sur votre billet à gratter vous donnent le droit de participer à l'émission. Mais il faut tourner la roue pour remporter la cagnotte. Allez, venez, cher candidat, et que le meilleur gagne. Vous libérerez le chèque à l'ordre de Monsieur Wood Blues. Compte 12 827. Hein? Wood? Lui aussi, il passe à la télé? Mais qu'est-ce que c'est que cette attirance pour les paillettes, le showbiz? De la poudre aux yeux, oui. Ils sont atteints. Du syndrome médiatique, la maladie du strass, l'impression d'être quelqu'un parce qu'il passe à la télé. Oui, comme si on trouvait l'homme de sa vie comme ça à 19h en prime time, où on gagnait un max de blé en claquant des doigts. On baigne dans le ridicule, la bêtise. Accepter de vivre confiné dans mon modeste appartement de 950 mètres carrés avec piscine, sauna, salle de cinéma climatisée et cabine de bronzage. Excusez, je suis un peu enrhumé. Chers amis, c'est le moment de vérité. Eh bien, c'est un plébiscite. Victoire écrasante de notre brillant candidat... Oh. Numéro 3. Vous allez pouvoir choisir l'une de nos 3 candidates qui, elles, vous ont plébiscité sans conteste. Oh, mon boyfriend. Je t'avais pas salut, Brandy, ma chérie. Un vieux traître. Oh. Aïe. Vous draguez mon mec. Non, Brandy, arrête, oh, c'était pour rire, il y a tout le monde. Oh là, on se calme. On a échappé belle, tombé sur des furies pareilles. Ouais quoi, mais peut-être qu'en cuisine, elles ont tué la grave. Alors, vous avez trouvé l'âme sœur? Non, on a juste brûlé nos ailes sous les feux des projecteurs. Ah, on en revient de l'artifice médiatique. C'est vrai quoi, tout ça c'est du flan quoi. C'est rien. La télé, c'est la vie. C'est bien, les amis, mais l'un des nôtres est encore en perdition. Bah voilà, t'es content, j'ai joué avec ta machine. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mon chèque, et on se dépêche un peu. Les filles m'attendent. Mais, jeune homme, vous avez 0. Vous avez perdu. Dis donc, garçon, mate ce billet. Il y a 1, 2, 3 tirelires. J'accepte chèque, carte de crédit ou espèce. Mais on se manie, je prends l'avion demain. Et mon télé. Chers téléspectateurs, cessons de consommer péatement, sans réfléchir, ces milliards d'images qui arrivent tous les jours dans nos télévisions. Vérifions l'information, éteignons nos télés, ouvrons nos âmes. C'est ton faciès que je vais ouvrir en 4 fâches de fâches. Qu'est-ce que tu viens foutre là, pas de gagner? Éteignez vos télés! Éteignez vos télés! J'y vais, l'autre! Stop au déboire télévisuel, quoi! Maman, je passe à la télé! Éteignez vos télés! Nous excuser pour cette interruption de programme indépendante de notre volonté. Ouvrez vite, fuyons l'empêche. La télé appartient au peuple. Nom de nom.
Oh, mais mon chèque! Oh, je suis tellement fâché que je vais le dire! Excusez-moi cet écart de langage! Sa mère! C'est quoi cette arnaque? Ah, la télé! Quelle arnaque! Et si on allait jouer au foot, les gars, hein? Non, mais tu es fou! Tu as vu ce temps? Les terrains sont impraticables, là! Oh, on va pas non plus aller pique-niquer sous cette flotte! Ouais, les gars, c'est le plan, je t'aime, tu m'aimes, Loulou Iron, c'est les feuilletons préférés, quoi. Et où ils en étaient l'autre fois? Pamela a quitté William, le beau-frère de Natacha, qui est parti en Papouasie élever des varans. Ouais, quoi? Et pendant ce temps, Tom, le cousin germain du beau de Jack Newton, il a chopé des hémorroïdes en bouffant trop de piment. Et pas de pommade, la pharmacie était fermée. Waouh, trop culte la série, Fudge. Tu m'as menti toutes ces années. J'ai cru à toi.